Et voilà, on est de retour. Bon, vous avez vu quand même que j'ai pas su m'empêcher de redonner des ordres et des contre-ordres. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le problème, c'est que j'ai découvert, en fait, que les entrepôts et compagnie, il fallait les améliorer. Moi, je pensais qu'ils s'amélioraient tout seuls. Eh bien non. Voilà, grave erreur. Ça ne s'améliore pas tout seul. Donc, maintenant, on est en mode amélioration... pour le déplacement, parce que voilà, un transporteur de plus de ressources, c'est carrément pas négligeable. Donc du coup, on est en mode on améliore tout, parce que je l'avais pas vu, parce que je le savais pas avant. Comme ça, ça améliorera aussi tout ce qui est ressources et compagnie et produits. C'est pas négligeable du tout. Alors, bon. Là, bon. Je sais pas pourquoi il me fait des... Comment dire ? One, pour le moment. Wait, it's finished. Là, entrepôt fini, ok. Là, on devrait voir une différence. Your building has been upgraded. Voilà. Pas fait. Pas grave. Ah, j'ai un lag. Ok, c'est bon. Ça passe. Voilà, donc les maisons vont pouvoir être upgradées. Vous voyez que j'ai pas assez de population. Ok, d'accord, elle a été upgradée direct, j'ai plus de place. Ok. Alors, cherchons des demeures améliorées. Et là. Wow. Alors. Ok, les bâtiments commencent à se construire aussi. Donc ça, c'est une bonne chose. Aussi. Mais là, on a un petit problème. C'est les unités settlers. Donc vous voyez, il y a 36 unités, j'en ai 18. Donc s'il veut, il me réduit en poussière. Mais pour le moment, il le fait pas. Voilà, bon. Ça va vite, hein, n'empêche. Bon, le novice, je veux bien, mais on va peut-être arrêter de d'en recruter pour le moment, parce que ça prend notre espace, en fait. Rien contre eux. Et là, alors, il va falloir que je trouve aussi. Attendez. Où est-ce que ça produit ? Si, voilà. Ah ouais. Ok, donc il est toujours en amélioration. Voilà. Hop. On va les faire passer en priorité une. Bon, normalement, il y a plusieurs constructeurs qui sont affectés sur mon royaume, donc ça devrait normalement avancer. Mais vous avez vu que j'ai plus d'outils. Eh oui. Et voilà. Non, oui, non, non. Bon. Là j'ai un problème de faire, ok, mais j'ai rien pour, voilà, pour l'outilleur. Tac, voilà, c'était lui en fait. C'était lui que j'aurais dû faire en priorité aussi. Bon. Vous voyez, hein, y en a des choses à faire en priorité. Parce que là du coup maintenant en fait j'ai plus d'outils pour l'outilleur. C'est quand même fort ça. C'est l'outilleur qui doit faire des outils et j'ai pas d'outils. Je pense en tout cas. On verra. Une fois que j'ai ça, ça ira certainement beaucoup mieux. Alors. De toute façon, ici, ça commence à se construire aussi, je pense.
La Jaira s'est construit maintenant en fait. Ici, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a un peu de blé, bon, pas grand chose, ils sont contents. On a certainement des poissons, des bûcherons et un forestier. Voilà, bon. En cas où notre coquerie ici, voilà. Efficacité 1%, super. Donc elle a pas assez de bois. Maintenant, je vous propose d'attendre encore. Ah, novice, ça c'est cool. On va envoyer les 6 novices prendre un camp ici. Voilà. Non, pas un arbre. On va pas prendre d'arbre, ça sert à rien. Hop, voilà, on va envoyer nos 6 prêtres prendre le contrôle de cette zone-ci. Alors, on va essayer de voir. Non, ça améliore. De toute façon, pour le moment, on est un peu bloqué par les améliorations et compagnie. Donc, il faut simplement trouver le bon équilibre. Alors, la pierre, par contre, ça. Oh, mais on va pas se gêner avec toute la pierre qu'on a. Pierre qui roule, n'amasse pas mousse. Tac, voilà. Ah, ouais, je vais pas me poser la question. Là, ici non plus. Boum, voilà. On a déjà une grosse partie. Non, pardon. Voilà, amélioration directe. Ah, boum, boum, boum. Attendez. Si cette petite partie là en pierre aussi, on va améliorer. Ah bah j'ai plus. Ok. Quoi? D'amélioration. Hein? Ok, ouais. En fait, c'est d'amélioration. Attendez, j'ai failli dire amélioraciser. Route en. Route. Voilà. Ça c'est bien. Ça a de la gueule. Hein. Ah, bien sûr, ah. Bon. Là, ça va envoyer du rêve. 25 à 22. Oh, ça va en fait. Il semblerait que j'ai rattrapé le retard. Et normalement, mes prêtres vont être envoyés ici. Ouais, donc ça devrait le faire aussi. Alors. J'ai des colons de libre, ça c'est OP. On a ça. Alors, au niveau de la production de pierre, on a de la pierre ici aussi. Ouais, merci. Ouais, super. Alors, des outils. Parce que ça, sans les outils, on est plus rien. Vous l'avez vu, hein. On est occupé de stagner depuis tantôt au niveau ressources, malheureusement. Voilà, on va placer. Notre carrière ici. Voilà, bon. Ça c'est fait. Bon, le reste après, de toute façon, il va falloir que ça se construise au fur et à mesure. On va quand même regarder nos ressources. Qu'est-ce qu'on a de spécial ici maintenant? Bon, on a des outils. On a commencé. Non, on n'a pas commencé à faire des outils, c'est génial. Des lingots, ça on a de quoi faire des lingots déjà, donc ça c'est cool. Des chevaux. Chevaux, on a une production de cheval aussi. Ok, c'est bien. On a 15 chevaux, donc on va pouvoir envoyer ça à notre dragon là. À notre truc spécial observatoire, machin. Voilà, royal. Et je peux livrer mes 11 chevaux. Voilà. Quoi? Ah ouais! Je dois faire ça avec des guides des commerçants. Allez, allez malin. Bon, bah écoutez, on va mettre une guilde des commerçants. Bah ici, hein, tant pis. En tout cas, oh, ouais, ok. J'espère que c'était pas. Non, ça va. Ouais, ok, bon. Ça c'est fait. Maintenant, il nous faut attendre. Bon, il y a des bières à chair mort comme on dit chez nous. On peut d'ailleurs commencer à. Voilà. À. Allez. À monopoliser la nourriture en fait. Simplement. Voilà.
voilà, et leur dire d'utiliser de la nourriture pour pouvoir produire le double en fait. Donc on aurait un effet domino et boomerang, hein, parce que du coup ils produiraient des bières et du pain, et beaucoup en fait. Ouais. Voilà, bon, là ça passe. Forestier. Travaille un petit peu mon forestier. Vous êtes deux, ce n'est pas normal qu'il n'y a plus de bois. Qu'il n'y ait plus de bois. Alors, entrepôt. Et... Alors, on va regarder un petit peu l'entrepôt. Est-ce qu'on... Bah, on peut, oui, s'améliorer ici. Voilà, on va essayer de faire tourner cette économie un peu mieux déjà. Hop, on va essayer d'augmenter celle-ci aussi. Ah. Stick, allons voir. Où se trouve notre bâtiment? Waouh, il est loin. Je crois qu'il est, c'est celui là. Alors c'est quoi ça? Un abri de montagne et de l'or. Pourquoi de l'or? Ah ouais, certainement ici. Bon, de toute façon 31 unités, 24 roules, lolol. Là on va avoir des problèmes. Il faudrait que je place aussi une caserne. Vous voyez donc il y a quand même pas mal de bâtiments ici. Va falloir mettre, prendre le temps de mettre et avoir place de le placer aussi. J'aimerais bien peut-être ici, même pas. Ok, c'est quand même un grand bâtiment, on va pas se mentir. Non, là je vais perdre de l'espace parce que c'est pour, les plantations. Bon, alors t'en es où? Écoute, va pas être embêtant, on va le placer là. Voilà. Alors, bon, c'est pas le meilleur endroit, mais bon, tant pis. Alors, l'outilleur, est-ce qu'il y a... Ouais, il a du travail, l'outilleur, ça c'est nickel. Voilà, hop. Et on va le faire taffer sur ses outils le plus vite possible. Ouais, donc on a 4 lingots parce que je suppose que ça, ouais, la fonderie fonctionne à plein régime. Et bah écoute, ça tourne. Maintenant il suffit juste d'attendre. Je pense que c'était celle-ci. Ouais, hop, voilà, ouais, c'est parti. On va voir quelque chose de sympathique. Alors, on n'a pas assez de petite de lingots d'or. Waouh, et il court en fait, hein. C'est même pas Alors j'ai 6 novices. Ah, ça tombe bien, on va pouvoir prendre le dernier camp ici qui nous résistait. Envoyé, voilà, parti. En parlant, ah ouais, j'ai pas des commerçants du coup. Où est-ce qu'elle se trouve? Oh là là, elle se trouve bien loin dans les choses à faire, hein, vous voyez. Oh, écoutez, je propose quand même qu'à un moment on laisse les choses faire, parce que si on remet chaque fois des nouvelles tâches et qu'on les remet en priorité devant les autres, par exemple, bah voilà, ma mine d'or à moi, elle est où? Voilà, elle ne sera jamais construite. Ok, donc là on a de la pêcherie. Ok. Ah ouais, donc en fait on est juste dans la quatrième zone juste à côté, et vous voyez que c'est déjà assez épique. On va par contre prendre des mousquetaires. Voilà. Voilà. Et maintenant on va laisser les choses faire peut-être. Ce serait bien. Pas très crédible quand je dis ça.
ça va aller. Hop. Par contre, de la nourriture raffinée, c'est pas ce qui va être le plus produit dans le coin, ça c'est sûr. Dès qu'il y a un espace, vous avez vu, un espace pour planter quelque chose, forcément une ferme qui vient s'implanter. Là, ici aussi, donc là, le mineur d'or, c'est nickel. On va les mettre en géologue, comme ça en même temps on aura nos trucs de pierre, voilà. Nos pierres. Alors, je vais améliorer. Peut-être je vais commencer à améliorer. Enfin, je vais améliorer la troisième zone ici, voilà. Pour et de faciliter le passage. Rapidité surtout de. Hop. Voilà. On y est, nous. Hop. Transiter vers les autres zones. Voilà, nouveau truc de prestige. Je pensais que j'avais gagné. Je sais pas pourquoi. Alors, niveau 10. On va pas se plaindre. Alors, à débloquer, j'ai rien à débloquer ici. Déboisement. Ouais, non. C'est là. Bon. Tant pis. Bon, hop. Comment on va faire? Alors maintenant on va mettre des pépites d'or pour favoriser la production de pièces d'or. Bon, déjà on est un petit peu en autarcie quand même. 35. Attendez. Ah ouais non, c'est moi. 29, d'accord. Je pensais que j'étais à 35, j'allais dire. Comment j'ai fait? Non, non, ça va. Tout va bien. L'église, donc il n'y a plus de prêtres à envoyer parce que qui tout cette zone-ci. Alors toi ici, ah ouais, il faut la guilde des commerçants, même si ça peut sembler être la même chose. Elle est où la guilde? Bon, elle est bien loin. Bon, on va laisser, hein. J'ai pas le choix. Alors, on va essayer quand même d'améliorer le maximum d'entrepôts. Vous avez vu, en fait, je n'ai qu'améliorer une fois sur deux. Au soldat mousquetaire, ok. Entrepôt ici. Ah, 2 sur 2, ok. Ouais, toujours pas en amélioration non plus. Là, ce qu'il faut... La production, vous voyez donc. Alors, ça se maintient parce qu'on a quand même on a 4 boulangeries, hein, pour le pain, vous voyez. On a 4 moulins à vent, par contre on a 15 greniers. Vous voyez là, ça fait les montagnes russes. Un petit peu abusé sur les greniers par contre. Bon, ah, c'est pas grave. Hein. Il vaut mieux ça que de crever de faim dans mon royaume. Mais je vous rassure, ça sera pas le cas du tout. À 31, ok, donc pour le moment on est bon. Alors j'ai 2 solutions qui s'offrent qui vont s'offrir à moi bientôt et prochainement. Soit je prends toutes mes unités et j'attaque ici le camp, donc ça va être un gros frontal de 35 contre 32 ou 31, ça va être une boucherie. Ou alors je la joue à essayer de gagner ici avec l'observatoire royal. Donc il me faut
Il me faut des commerçants. Avec des ecclésiastiques. 16. Ok, donc j'ai. En fait, j'ai plus besoin d'ecclésiastiques, mais si. Donc il m'en faut 16. Alors on a un problème de settlers ici, quand même bien limité à 155, bon, c'est pas mal, hein. Mais le problème c'est que je sais pas si lui va être limité. On a quand même bien réussi à revenir dans le nombre d'unités. Voilà, vous voyez, donc ça a à peine augmenté notre demeure que atteint. Hop là, de retour. Ah ouais. On va quand même regarder pour gagner, parce qu'en fait avec ce dernier point-ci, ça nous permettrait d'obtenir le troisième point qui nous manque. Le quatrième point, pardon. On est au troisième. Je peux envoyer des unités. Je pourrais envoyer des unités après. Ouais, ok. Et après j'aurai 16 ecclésiastiques à envoyer, donc vous voyez. Ça produit déjà, et alors 11 chevaux aussi. Bon, les chevaux, bien sûr, on a le temps parce que malheureusement j'ai pas construit la guilde commerçant et elle est pas là de se faire vu le d'affaires. Si à moins la fasse, comment dire, ouais, la mettre en priorité, on va faire ça. Ici, heure, c'est un truc de fou. Permet de meurer aussi vite. Heure, c'est atteint. Maximum. Maximum de 7 heures. Your building has been upgraded. Entrepôt. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a deux améliorations. Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres? Si, ici. Mettre. Après.
pas trop le faire parce que sinon la guilde des commerçants sera jamais faite. You successfully upgraded the building. J'ai construit ici un parc à demeure, une ZUP. Ça, je vais certainement pallier à mon manque de place, enfin de settlers. Comment les mettre? Ouais. Et après, je les upgraderai directement aussi. Comme on aura certainement moins 40 places. Ça permettra de pouvoir. Et des ecclésiastes. Rappel. Avec chaque fois une maison et une amélioration de maison, 5 places qu'on va aller loin. Voilà. Bon. Le seul problème, c'est que. Un peu loin de la base principale, enfin de la zone principale. Ouais, non. J'ai des baraques de chantier ici dans le coin, donc pouvoir faire leur taf aussi. Alors par contre, il va falloir quoi comme ressources? Bois et de la pierre. Où est-ce qu'on a un secteur de bois et de pierre le plus proche? Ah, je vois qu'ici ça se hâte déjà pour le ramener. Finalement, ça va aller vite. Ouais, là, il y a de la pierre aussi qui arrive. Ça arrive en fait de tous les secteurs. Maintenant cette zone-ci, où est-ce que j'allais planter des gants partout. Bien son office aussi. Temps de l'avoir fait. Des unités, on peut voir que je tiens tête désormais, on est quasi à une franche égalité, 34-35, donc je pense qu'il m'attaquera plus. Ah, allez, encore, oh non. Bon, petite maison, il n'y a pas augmenté là? Ouais. Toi, t'es l'heureuse gagnante du jour. Pas d'autres.
Ah, enfin, on a nos ecclésiastes. On va pouvoir envoyer ici à l'Observatoire Royal. Envoyer. Donc ça avait déjà un objectif sur les trois. Malgré, bon, ici, le... Ah. On a déjà en fait, hein, mais envoyé parce qu'on avait fait tarde, mais bon, elle tarde, mais tâche à mettre avant, malheureusement.